Hola YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu un genre de vlog, voilà. Ça va être plein de lectures de sorcières, ce que moi j'appelle des lectures de sorcières. Alors, va y avoir des romans, etc. machin sur les sorcières, mais pas que. Voilà, va y avoir aussi des choses un petit peu plus de l'ordre du bien-être. Il y a des graphiques, il y a des essais, il y a plein de choses. J'ai une pile à côté de moi de livres qui sont dans ma palle et que j'ai décidé de lire pour cette vidéo, que j'ai envie de lire, hein, voilà. Je ne m'oblige absolument pas, soyons clairs, c'est plutôt la vidéo qui est venue après mon envie de lire ces livres. Mais j'ai aussi une sélection qui arrivera en toute fin de vidéo de livres que j'ai déjà lus en fait sur le thème des sorcières. Évidemment, ce n'est ni un top 5, top 6, top machin, c'est juste une sélection d'idées, de choses très différentes que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, en sachant que la plupart des livres que j'ai lus ne sont pas forcément dans ma bibliothèque. Mais j'ai gardé des ouvrages très jolis, très intéressants et du coup j'avais envie de vous les présenter. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous présenter ma petite palle tout de suite. En second du coup il y aura plutôt la partie vlog de lecture avec mes avis. Et en toute fin de vidéo vous aurez du coup ma sélection de livres que j'ai déjà lus sur les sorcières. Mais il y a des très beaux ouvrages donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Voilà. Bref, c'est parti pour ma petite grosse palle, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Maman. J'ai cru que j'étais hyper rapide. Non, pas du tout. C'est pas grave. Allez, le premier livre. Alors, je sais pas si vraiment on peut appeler ça un livre de sorcière, mais c'est un livre un petit peu bien-être. Faut savoir que moi déjà dans le terme sorcière, j'inclus les sorcières, donc tout le côté vraiment fantastique des romans, des histoires. Donc là il y a un, deux, trois romans sur plus une BD sur ce thème là, vraiment la sorcière fantastique. Mais j'inclus aussi la sorcière un peu plus sorcière moderne, ce qu'on appelle la sorcière moderne, c'est-à-dire tout ce qui a trait un peu au bien-être, à se rapprocher de son soi intérieur, d'être bien, d'être en communion avec la nature, de réparer un petit peu ce qu'il y a à réparer au fond de notre âme. Voilà, toutes ces choses. Après ça va encore plus loin, mais j'ai pas forcément l'idée d'aller encore plus loin dans cette vidéo. Je vois ça un petit peu comme survoler un petit peu tout ce que pour moi est une sorcière. Voilà, bref. Du coup, ce livre qui est les 4 accords Toltec, je vais arriver à le dire, La voix de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz, qui m'a été prêté par une de mes copines. C'est un livre qui est relativement rapide à lire, je pense. J'ai juste pas encore pris le temps de le lire. Il fait à peu près 140 pages. Voilà, j'ai très envie de le lire. C'est quelque chose de plus du côté du bien-être, etc. Et je pense que ça peut être très chouette. Voilà, j'ai envie de trucs comme ça en ce moment. Ensuite, on va enchaîner avec les trois romans vraiment genre fantastiques sorcières. Donc il y a d'abord Les sorcières de Pendle de Stacy Halls. Là, je les ai chez Pocket. C'est un livre que j'ai trouvé en... Ah, genre chez Emmaüs, un truc comme ça, genre en bouquinerie, voilà. Il fait à peu près 400 pages et j'ai très envie de le lire. Ces derniers temps, je le croise assez souvent, donc je me dis, ah ça c'est le livre qui m'appelle, c'est le moment de le lire, voilà. Pardon. Ensuite, il y a évidemment La Belle Circé de Madeline Miller, un livre pareil que j'ai trouvé en bouquinerie ou quelque chose comme ça. J'ai très envie de le lire parce qu'il a eu un franc succès, voilà, donc je ne vais pas en parler plus, c'est assez évident. Et un livre que j'ai envie de lire depuis extrêmement longtemps, celui-ci je crois que je l'ai acheté dans une petite bouquinerie que j'aime beaucoup, ou neuf, enfin je me rappelle plus. En vrai je me rappelle plus, non je crois pas qu'il était neuf, il est défoncé là, genre... J'ai peut-être acheté sur Vinted ou je sais plus. En tout cas, tout le reste de la saga, je l'ai chopé sur Vinted. Non, dans un
dans un vide-grenier pour très très peu cher. Donc en fait j'ai toute la saga, mais voilà, j'aimerais commencer déjà par le premier, ça serait déjà très 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 bien. Il fait plus de 500 pages, donc il est assez énorme. J'ai plus l'habitude de lire des livres comme ça, mais il me fait trop trop envie. Et pareil, genre trop connu, genre vraiment trop trop connu. Ensuite on passe plutôt à un truc plutôt essai, documentaire, etc. Donc il y a Le manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui d'Odile Chabrillac chez Pocket. Voilà, j'avais déjà lu Âme de sorcière que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et voilà, j'avais j'avais envie de le lire. C'est un livre qui est extrêmement petit, fait à peu près un tout petit peu plus de 200 pages. Mais c'est écrit relativement gros, je pense qu'il va être assez rapide à lire parce que j'aime énormément comment Odile Chabrillac écrit. J'avais adoré le premier livre que j'avais lu d'elle et j'aime beaucoup sa façon de penser, même si évidemment je suis pas d'accord avec tout, hein, on peut pas être en accord avec tout, mais voilà, ça m'intéresse énormément et je l'ai acheté il y a pas très longtemps, donc j'ai très envie de le lire. Ensuite, un livre que j'ai acheté il y a quand même un petit moment maintenant, Libérée, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titiou Lecoq. Je pense que Titiou Lecoq n'est plus à présenter. Voilà, c'est un essai. Pareil, c'est écrit relativement assez gros, il fait 250 pages. C'est un livre qui m'intéresse énormément. J'ai entendu, j'ai écouté des podcasts avec Titiou Lecoq et forcément j'ai eu envie de lire ce livre là. Voilà, c'est pas le seul, mais c'est celui que j'avais entendu en tout cas dans le podcast dont je me souviens, donc du coup c'est celui que j'avais acheté. J'ai très très envie de le lire et ouais, on verra ce que ça donne. Un autre petit essai, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, qui m'a été offert par une de mes copines. Donc c'est aux éditions Libre de Poche, pareil, il est tout petit, il fait un peu moins de 150 pages. C'est pareil, écrit assez gros par rapport à certains poches. J'ai très envie de découvrir Virginie Despentes que je n'ai encore jamais lu. J'ai trouvé les trois premiers tomes de je crois d'ailleurs qu'il n'y a que trois tomes, non? Je sais plus. Non, je trouvais que les deux premiers tomes, pardon, de Virginie Despentes, et il y en a trois, il me semble, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir déjà, découvrir sa plume et un petit peu son discours dans ce petit livre. Et ben on verra, voilà, j'ai très envie de ce genre de lecture en ce moment, je sais pas pourquoi, genre c'est impressionnant, c'est la première fois de ma vie je crois que j'ai autant envie de ça. Ensuite, il y a très longtemps, j'avais acheté la version augmentée des Couches sur la table de Victoire Taillon, je crois. Voilà. Voilà. Donc en fait c'est le livre, voilà, du coup c'est sorti à la base en podcast, donc de Victoire Tuaillon, voilà, chez Binge Audio Edition, voilà. Et puis il y a la version augmentée, donc voilà, il y a un petit supplément, alors je sais pas, je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'est, mais voilà, en tout cas j'ai très très hâte de le lire. J'ai pas écouté tout le podcast parce que je préférais lire le livre. Je remets dans sa boîte, c'est assez chiant à remettre. Voilà, j'avais très envie de lire la version écrite pour pouvoir aussi éventuellement annoter et tout. Oui, 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 je vais annoter mes livres. Oh mon dieu, c'est des livres que je vais garder en fait, c'est des essais féministes, je vais les garder. Ensuite, on m'a offert il y a déjà un petit moment le grand livre des 12 Libérations énergétiques de Stéphanie Abellan, du Courrier du Livre. Voilà, ça a l'air très intéressant, c'est un livre absolument magnifique. Voilà, c'est bon, c'est écrit aussi très gros. Et ça m'a l'air extrêmement bien, vraiment. Et pareil, c'est un livre que j'ai étrangement recroisé très régulièrement ces dernières semaines. Voilà, donc je sais pas, là je me sens prête en fait à le lire. Avant je me sentais pas trop prête, ça avait l'air très intéressant mais je me sentais pas prête. Et là ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je suis prête. Donc
Nous allons voir ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais finir, parce que du coup je l'avais commencé, je sais plus si j'avais laissé mon marque-page, ouais j'avais laissé à peu près là. La sagesse des chakras au féminin, je pense que je le relirai en entier parce que ça fait un bon moment que je l'ai commencé. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est chakras, etc. Je sais que j'avais pris des notes, mais je me souviens plus où je les ai mises. J'avais surligné un peu certaines parties. Voilà, je pense que j'étais qu'à la page 70, donc je pense que je vais recommencer dès le départ. Et puis voilà, étudier un tout petit peu plus les chakras, même si j'en ai appris quand même pas mal depuis que je l'ai acheté, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Je crois que je l'ai pas dit, mais c'est de Ariane Calvo chez Le Duc Pratique. Voilà. Et ensuite, j'ai du coup emprunté le tome 3 et le tome 4 de Bouche d'Ombre, une BD dont je vous ai déjà parlé, qui parle de cette jeune fille qui est une sorcière, enfin voilà, une espèce de sorcière un peu moderne. Enfin, en fait, c'est une jeune fille qui a des dons. Et elle va découvrir le destin, en fait, de plusieurs femmes au fur et à mesure des histoires. Donc, un tome, une histoire, voilà, une femme. Et ça va être très, très intéressant. Enfin, en fait, j'ai beaucoup aimé. Dans le premier, elle découvre vraiment ses dons, et puis le deuxième, elle découvre en fait l'histoire d'une de ses aïeules. Voilà, donc c'était très intéressant. Et là, il s'agit de Lucienne, et le deuxième que je peux assez peu montrer parce que la fille est dénudée, donc j'ai peur de me faire strike par YouTube. C'est Louise en 1516. Ouais, on dirait que c'est la représentation du diable, c'est très étrange. Mais bon, voilà, j'ai très très hâte de les lire, je suis joie, c'est les seuls du coup graphiques que j'ai dans cette sélection. Mais voilà, c'était tous les livres que je vais lire dans le vlog qui va commencer d'ici 2 secondes et demie. Voilà, du coup je vous retrouve pendant ma lecture, à tout de suite. Bon, on est le lundi, comme d'habitude je prépare rien, 20 novembre, il est 11h13, ce matin j'avais une prise de sang etc à faire pour mon diabète. Voilà, si vous savez pas, je suis diabétique, du coup je commence à travailler genre à l'instant, même si je fais mes to-do et tout machin, et en fait je me suis dit let's go, tourner une petite partie du vlog des sorcières pour vous parler du coup des lectures que j'ai faites hier soir. Voilà. Donc j'ai lu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz chez Jouvence Poche. Voilà, c'est une de mes copines qui me l'a prêté. Comme d'habitude j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens. Alors j'ai pas tout lu, j'ai lu vraiment les accords Toltec. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment bien pour les personnes qui cherchent à introduire le bien-être intérieur dans leur vie. Moi c'est quelque chose, en fait tous les accords Toltec c'est des choses que j'ai déjà travaillé. Il y en a forcément plus que d'autres, voilà, je suis très 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 loin d'être parfaite, hein, voilà. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'est marqué, les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. C'est exactement ça, et en fait c'est quelque chose avec des recherches, etc. etc. que j'ai déjà commencé à faire. Donc pour ma personne, j'ai trouvé que c'était pas forcément le livre le plus utile, voilà, mais c'est très personnel. Par contre, d'un point de vue vraiment général, j'ai trouvé que c'était une introduction absolument incroyable pour les gens du coup qui ne sont pas initiés, les premiers initiés, voilà, ce genre de principe, etc. Voilà, je trouve que c'est très très utile, il y a beaucoup d'exemples, ce qui permet du coup de bien comprendre ce que les accords Toltec veulent dire. Voilà, j'ai trouvé ce livre très utile et j'ai hâte de partager avec ma copine sur ce petit livre pour voir ce qu'elle en avait pensé. Voilà, chouette pour les débutants du style de... voilà, débutants.
Ensuite, j'ai lu une BD, j'ai lu le tome 3 de Bouche d'ombre, Lucienne 1853, de Maud Bégon et Carole Martinez. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était encore une fois très bien, un peu plus... comment dire, un peu plus... vaporeux, je sais pas trop comment dire, mais que les autres tomes. Voilà, des illustrations... toujours incroyable. Je n'ai pas encore lu le tome 4 et j'ai vu sur Livre Addict, en ajoutant celui-ci à ma liste de livres déjà lus, qu'il n'y avait que 4 tomes et du coup j'ai le 4e tome emprunté à la bibliothèque. Donc du coup ça veut dire que d'ici la fin de ce vlog j'aurai fini une nouvelle saga, donc je suis trop contente. Voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais écoutez, il faut se satisfaire de nos petites victoires, voilà. En tant que lecteur, vous savez, moi j'ai une trentaine genre de sagas commencées, il faut que j'en termine. Vraiment, c'est indécent. Bref, voilà, Bouche d'ombre, ravie de cette découverte. Encore une fois, voilà, ça reste le tome 3, mais on a une histoire extrêmement touchante. Vraiment, on parle dans cette BD du coup de cette jeune fille. C'est notre personnage principal pour les 4 tomes et en fait elle a un don de clairvoyance, voilà. Et elle va chercher en fait à... C'est même pas qu'elle va chercher, c'est qu'en fait les fantômes, les morts, les âmes la cherchent en fait pour les aider. Et voilà, bref, elle va faire beaucoup de découvertes et là... Là, c'était très mignon, c'était très touchant, mais j'ai préféré les deux premiers quand même, voilà, avec Honnêteté, j'ai préféré les deux premiers, j'ai trouvé ça plus personnel au protagoniste principal, qui est donc Lou, du coup ça m'a plus émue, ça m'a plus touchée, que celui-ci. On y parle beaucoup de cercles d'écrivains qui partent un petit peu en live. Donc ça m'a un tout petit peu moins touchée d'avoir cet écho-là de l'ésotérisme, même si ça existe et que c'est vrai, voilà. Ça m'a un peu moins touchée, voilà. Mais je suis très contente de cette BD, vraiment, genre... j'ai hâte de découvrir le dernier tome où il y a une couverture avec une jeune femme, donc cette jeune femme, Lou, avec le diable, la représentation assez classique du diable. Donc on verra, surtout que c'est une couverture où elle est dénudée, donc j'ai peur de ne pas pouvoir vous montrer en plus trop la couverture, enfin il va falloir que je cache des parties. Donc voilà, mais j'ai hâte de lire le dernier tome quand même. Et j'ai commencé Manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui, d'Odile Chabrillac. J'ai lu l'introduction, le premier chapitre, donc j'en suis à la page 45. Voilà, je pense que je vais continuer un peu aujourd'hui, j'espère que j'aurai du temps. Sinon ce sera demain, voilà, parce qu'aujourd'hui comme ce soir j'ai sport, des fois c'est un peu short pour lire le lundi, donc voilà, je vais essayer. En tout cas, très très chouette, voilà, très très chouette début, ça se lit tout seul les Odile Chabrillac et franchement ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Après j'étais assez fatiguée, donc j'avais un peu du mal à avancer, je me suis dit allez stop, il est temps à la fin du chapitre 1 d'aller dormir. Mais voilà, je suis très contente de ce début de livre. Ma petite lecture en cours de la pile à lire des sorcières. Pile à lire et il me reste tout ça encore. Voilà, donc c'est pas fini. Allez, bisous. On est le jeudi 23 novembre, si je dis pas de bêtises, il est genre 17h et je m'apprêtais à partir et je me suis rappelé que j'ai des choses dont je dois vous parler, des petits livres. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. J'ai fini Manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui d'Odile Chabrillac. Alors déjà, je suis désolée, genre la lumière doit être un peu... différente par rapport à d'habitude, mais j'ai mis qu'une seule de mes lumières parce que l'autre, je sais pas, elle me fait un truc un peu bizarre, donc faut que je regarde s'il n'y a pas une mauvaise connexion ou un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fiche, c'est technique, mais voilà, je voulais préciser. Du coup j'ai fini ce livre et bah c'était très chouette, hein. Voilà, j'ai est-ce qu'on va voir, on ne voit pas, voilà.
J'ai fait des petites encornures de page et des petits coups de fluo régulièrement. Je pense que je vais essayer de créer des petits posts sur ce livre parce qu'il y avait des choses très intéressantes. Je vous conseille de le lire si ça vous intéresse, de tout ce qui est féminisme, etc. Voilà, je vais pas en dire plus. Après celui-là ça n'a rien à voir, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et ma prochaine lecture du coup ça va être le tome 4 de Bouche d'ombre. Voilà, je cache parce que la madame elle est nue sinon je vais me faire strike par YouTube, non merci. Donc c'est le dernier tome de la saga, donc je suis très très contente. C'est sur Louise en 1516, donc j'ai très hâte. Donc c'est une BD et je vais lire aussi Sagesse des chakras au féminin. J'avais déjà commencé mais alors je dis pas que je vais tout lire avec attention. Enfin voilà, je vais lire ce qui m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse. Donc c'est-à-dire quasiment tout le livre je pense. Mais des fois il y a des exemples ou des trucs comme ça. Ou comme c'est des sujets que je connais déjà pas trop mal, ben... ça me sert à rien, voilà, donc ça m'apprend plus rien. Donc du coup je loupe des fois des petits paragraphes mais c'est tout. En tout cas celui-ci je me souviens qu'il avait l'air très très bien. Et il y en a un autre qui m'intéresse, c'est La puissance du féminin de Camille Sfez, que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup, voilà. Donc ça va être mes deux prochaines lectures qui concernent les sorcières. Voilà, là j'ai des petits colis Vinted à les récupérer et ça a été une journée un peu compliquée, donc j'avoue que j'ai des trucs YouTube à tourner et tout pour l'ASMR. Voilà, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, donc bah voilà, ça a été comme ça aujourd'hui. Je ferai demain, c'est pas grave, je voulais prendre de l'avance, c'est pas grave, ça arrive, des fois on peut pas. En tout cas, bah, je vous retrouve plus tard pour parler de mes deux petites lectures. Vidéo des sorcières, on est le 27 novembre, il est 10h49, j'entends le petit point vidéo pour Popiette. Hello, on est lundi 27 novembre, je reviens après ce week-end pour vous dire que j'ai lu le tome 4 de Bouche d'ombre. Je peux pas trop, voilà, c'est ça, voilà exactement. C'était le dernier tome du coup de cette saga de BD qui s'appelle du coup Louise 1516, enfin c'est sur Louise. Voilà, je vous remontre un petit peu si jamais vous avez loupé les autres vidéos où j'en parle, les dessins, comment ils peuvent être. Voilà, c'est assez doux, c'est assez mignon, ça parle d'un sujet quand même assez... incroyablement intéressant à mes yeux puisque bah, il s'agit des sorcières et entre autres on a du coup Lou, bon elle a globalement le même visage que celle-là, que cette fille, que Louise, qui est donc une jeune femme absolument dynamique, intéressante, souriante, bienveillante, etc. qui va découvrir du coup qu'elle a des dons de médiumnité, enfin de voyance. En fait, elle voit des fantômes et elle fait le lien entre la vie et la mort quelque part et c'était absolument génial, j'ai beaucoup aimé du coup ces 4 tomes. Celui-ci en plus parlait quelque chose un petit peu plus dark puisque ça parlait aussi du diable, on le voit, ah, attendez je cache, on le voit sur la couverture, voilà, donc d'un amour entre guillemets entre une jeune femme, une jeune sorcière et le diable ou quelque chose qui s'y apparente. Voilà, je vous laisse découvrir vraiment Bouche d'ombre pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment c'était trop génial. Et du coup voilà, j'ai lu ça ce week-end. J'avoue que j'ai pas énormément lu fin de semaine dernière. J'étais très fatiguée pour plein de raisons assez personnelles, mais voilà, et j'ai commencé un autre challenge, voilà,
j'ai commencé un autre challenge, je vous fais une vidéo dédiée à ça, donc je vous présenterai les deux lectures que j'ai fait, des lectures petites et rapides, mais deux lectures quand même, dans cette vidéo là. Du coup, en ce qui concerne les lectures de sorcières, je vais enchaîner avec le livre sur les chakras, je vous en avais déjà parlé vaguement. Voilà, je vais enchaîner là-dessus, tout simplement. Je fais des bisous. Bon, aujourd'hui on est... Pardon. Aujourd'hui on est le lundi 4 décembre, ça fait un petit moment que je suis pas venue dans la vidéo, mais j'ai lu quelques trucs sur ma pile de livres du coup des sorcières. Donc déjà j'ai lu le grand livre des 12 libérations énergétiques. J'ai pas lu avec précision exactement tout parce qu'il y a des genres de rituels, etc. Des choses qui ne me concernent pas forcément, ou en tout cas où je pouvais m'en passer sur le moment. J'ai lu tout ce qui m'intéressait et c'est un livre en fait qui va être sur mon étagère pendant très longtemps je pense, et qui va me servir régulièrement, que ce soit pour moi ou des personnes de mon entourage. Voilà, en gros c'est un livre du coup où il y a des genres de rituels, de choses à dire, à faire, de voilà, pour certains traumatismes on va dire. Il y en a du coup 12, donc du coup il y a là, je vais vous dire comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez aller l'acheter ou pas. Libération de l'auto-sabotage et reprogrammation des schémas de pensée. Réharmonisation du coup des 7 chakras, acceptation de son image et amour de soi, développement de l'abondance et programmation des schémas limitants, développement de l'intuition et libération du mental, je parle du nez, c'est horrible, libération transgénérationnelle de la lignée de femmes, libération de la souffrance émotionnelle, libération des relations toxiques, libération des mémoires en lien avec les abus sexuels, apaisement des émotions, libération et acceptation du deuil, libération par le pardon. Voilà, donc c'est beaucoup de choses, c'est des trucs assez généraux et en fait vous avez plein de tips, vous avez plein de choses à faire ou pas pour essayer de réharmoniser tout ça, d'essayer de retrouver un équilibre énergétique. On parle bien énergétique, c'est-à-dire que c'est un livre, ce n'est pas un médicament. Voilà, si vous avez des traumatismes, il y a aussi des suivis psychologiques, psychiatriques, potentiellement aussi médicamenteux. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Allez voir un énergéticien, ça c'est un support supplémentaire. Voilà, je tiens quand même à le dire parce que je trouve que c'est vachement important. C'est un soutien en plus, mais ça ne remplace rien, ok? Voilà. Ensuite, il faut que je cache ça, j'ai lu... le dernier tome de Bouche d'ombre, donc la BD qui s'appelle Louise 1516, donc oula, je cache pas, voilà, donc c'était le dernier tome, c'est une BD sur les sorcières et franchement c'était très très bien, je vous conseille un million de fois cette BD, cette saga de BD que j'ai découverte par hasard dans ma bouquinerie préférée et que j'ai continué grâce à la bibliothèque, vraiment, c'était vraiment très très bien. Là on parle notamment des sorcières qui ont été des massacres de sorcières, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, en termes de planches on est sur quelque chose de très joli, qui peut être beaucoup plus doux comme dur forcément quand on parle du coup des massacres des sorcières, hein, évidemment. Et on suit à chaque fois une jeune fille, du coup on suit à chaque fois une jeune fille qui s'appelle Lou et qui est le protagoniste principal, qui va être du coup la libératrice en quelque sorte. Du coup c'est cette jeune fille qui va être la libératrice en fait de sa famille, des femmes de sa famille qui ont des dons, et ben elle aussi. Et sauf qu'elle, elle va chercher un petit peu à en savoir plus, et c'est ce qu'on suit en fait au travers des 4 tomes, et à chaque fois il y a le destin en fait d'une femme qu'elle a connue ou pas du passé, qui notamment potentiellement a suivi d'autres femmes de sa famille qui ont des dons donc de médiumnité et de voyance, etc. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qui est accroché sur mon livre? Non mais au secours quoi, un bout de scotch en livre, qui
c'est que fait ça, genre. C'est pas moi. Bref, et du coup, le dernier tome, le dernier livre que j'ai lu, c'est Sagesse des chakras au féminin de Ariane Calvo. C'est un livre que j'avais déjà feuilleté il y a quelques années et que j'avais pas continué, que j'avais pas terminé en fait. C'était super intéressant. J'ai noté des choses du coup à travailler. Pardon, je parle du nez. J'ai noté des choses sur lesquelles j'aimerais potentiellement travailler de mois à mois. Voilà, il y a plein de clés en fait pour chaque chakra, de compréhension, de rééquilibrage, pour savoir est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il n'est pas équilibré, tel chakra et tout machin. C'était super intéressant, c'est marqué vraiment, enfin il y a vraiment beaucoup 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 d'informations. Donc voilà, il faut le temps, je pense qu'il va falloir que je le relise de temps en temps, ou en tout cas que je refeuillette. J'ai mon PC qui s'éteint, attendez. Oh, putain. Voilà. Bref. Donc je disais, il va falloir que je le refeuillette de temps en temps, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, et voilà, je pense que c'est intéressant. Voilà, donc j'ai lu pas mal de trucs et j'en suis en train de lire King Kong Theory de Virginie Despentes. Voilà, j'ai commencé hier, j'ai lu un chapitre, hein, voilà, donc il est très court, il fait 150 pages, un truc comme ça. Voilà, j'ai lu que un chapitre, je vais essayer d'avancer un tout petit peu aujourd'hui et demain. Voilà, je vais essayer de le lire dans les prochains jours, quoi. Mais voilà, bref, je vous laisse ici, je vous donnerai des nouvelles de King Kong Theory plus tard et je vais te faire bisous. Oh là, la compagnie, vous, ça fait 2 secondes littéralement que vous avez vu le dernier clip, mais en vérité, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé pour cette vidéo. Je pense que je me suis un tout petit peu surpassée, voilà, enfin pas surpassée, surestimée, voilà, surestimée, c'est ça le mot. Donc je vais finir cette vidéo ici, voilà, j'avais sélectionné énormément de livres et j'ai juste pas eu le temps de lire cela, enfin juste. Voilà, j'avais vraiment sélectionné beaucoup 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 de choses et en fait c'était, j'aurais peut-être dû me cantonner à un tout petit peu moins. Alors, je vais juste vous présenter ma dernière lecture du coup, qui est King Kong Theory de Virginie Despentes, que je n'ai pas lu en entier tout simplement parce que j'ai pas trop accroché à son discours. Je suis très honnête, ouais, j'ai eu un petit peu du mal. J'ai peut-être une vision biaisée, mais en fait pour moi ça c'est... Bah, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre en fait, voilà, je suis très honnête avec vous, vraiment c'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre quand on parle de féminisme, voilà. Y a des choses, j'ai lu un tiers hein, quand même, hein. Même plus qu'un tiers, j'ai lu pratiquement la moitié, mais parce qu'il est tout petit, donc je vais dire j'ai lu un tiers, mais oui non, j'ai lu pratiquement, ouais j'ai lu pratiquement la moitié, donc... Je pense que je suis à même de parler quand même de ce que j'ai lu. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas accroché au discours du tout. Et honnêtement, voilà, ça faisait déjà quand même pas mal de lectures que je faisais sur le féminisme, sur voilà, la condition de la femme, sur les sorcières, sur voilà, tout ce que j'englobe en fait dans cette notion en fait de sorcière entre grosses guillemets. Et ça, c'est pas fait pour moi en fait. C'est juste un livre qui n'est pas destiné à quelqu'un comme moi. Après, je rentrerai pas forcément dans les détails. Si vous voulez en fait lire ce bouquin, lisez-le. Je dis pas que c'est pas du tout bon, parce que c'est pas vrai. Mais c'est pas... Je suis pas le public en fait. Je suis pas le public, du coup, le public. Du coup, je n'étais pas... C'est pas que j'étais pas intéressée, c'est pas que ça m'a pas touchée, mais j'avais... C'était pas ce que j'avais envie d'entendre en fait, franchement je sais pas comment vous expliquer autrement, c'est juste pas ça que j'avais envie d'entendre. Voilà, donc
bah c'est pas grave en fait, ça arrive, est-ce que bah voilà, je vais le donner à une copine, à un copain ou quoi que ce soit, bah sûrement, parce que peut-être qu'il y a des personnes que ça va beaucoup plus intéresser que moi, mais voilà, c'est comme ça, ça arrive, il n'y a pas de souci, enfin voilà, c'est pas grave. Et du coup j'ai décidé de ne pas continuer cette vidéo, peut-être que voilà je referai une autre vidéo ou d'autres vidéos dans ce style, ça c'est sûr. Mais il faudra que je me cantonne à une sélection un tout petit peu moins importante. Là j'avais fait vraiment exploser ma palle en termes de witchy vibes et féminisme etc, qui pour moi c'est bête, mais ça fait partie d'une seule et même catégorie, alors que pour d'autres pas forcément. Mais voilà, du coup je vais juste vous montrer ce que je n'ai pas encore lu. Donc c'est le tome 1, en fait j'ai pas lu les romans principalement. Donc j'ai pas lu le tome 1 du coup des Banniers et des Proscrits de James Clément. Il y a un peu de poussière. Donc c'est Le Feu de la Sorcière, il est absolument magnifique. Faut savoir que j'ai toute la saga, donc pourquoi pas, si ça vous dit un jour je me fais... je sais pas, une, deux semaines, je sais pas combien de temps ça pourrait me prendre. Enfin bref, un vlog lecture juste pour cette saga. Dites-moi. Du coup, ce sera quand je rentre de Thaïlande, donc au minimum. Donc pas avant fin février, quoi. Parce que je rentre début, vers le... ouais, mi-février à peu près. Donc voilà. Un livre qui m'intéresse énormément, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais que je vais faire d'ici quelques temps. C'est Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, libéré, de Titiou Lecoq, que j'ai découverte grâce à un podcast il y a assez longtemps. C'est un petit livre de 200 et quelques pages que j'ai très envie de lire, et pour le coup, vu que j'en ai lu pas mal, en fait j'avais plus... enfin voilà, j'ai un peu saturé, et je pense que pour vraiment en profiter il faut que j'espace un tout petit peu maintenant, donc... Donc voilà, je n'ai pas lu le roman Circé, que j'ai très envie de lire et qui va me passionner, j'en suis sûre. Mais voilà, j'ai lu beaucoup de trucs de ce style et j'avais pas, voilà. Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Celui-là, j'ai très envie de le lire. Voilà. Mais voilà, enfin, tous j'ai envie de les lire. Et Les Coups sur la Table de Victoire Tuaillon. Je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée. Qui a l'air absolument magnifique. J'ai déjà écouté une partie du podcast. C'est pour ça que j'ai acheté le bouquin. Mais je voulais pouvoir annoter le livre. Donc voilà, ça m'intéresse énormément aussi. Mais voilà, je pense que ça pourra faire l'objet d'une seconde vidéo. Si jamais ça vous intéresse, peut-être un petit peu plus courte. Parce que celle-là est très longue. Mais voilà, je pense que j'avais sélectionné trop de livres et que voilà, je vais pas faire une vidéo de 6 heures quoi, donc il y a un moment donné c'est plus regardable, c'est plus intéressant, ni pour vous, ni pour moi, ni pour mon meilleur ami qui, qui monte la vidéo. Voilà, je suis désolée, c'est la plus longue vidéo que je t'ai donnée à monter, mais voilà, c'est moi qui ai mal géré en fait mon truc, et pour les prochaines fois je ferai attention. Voilà, voilà, c'est tout. Je vous fais des petits bisous, je vous laisse avec le dernier clip que j'ai déjà filmé, et voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo, en fait. Bon, après ce grand vlog, cette grande présentation, tout ça, il est temps de vous présenter les quelques livres que je vous ai sélectionnés pour, du coup, voilà, c'est vraiment des recommandations de choses que j'ai déjà lues et que j'avais envie de vous, dont j'avais envie, pardon, de vous parler, si je parle français c'est mieux, voilà. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, donc je vais pas être plus long que ça, on va y aller tout de suite pour les recommandations. Donc un livre que je vous ai parlé, dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo, c'est Âme de sorcière ou la magie du féminin d'Odile Chabrilac. Voilà, un des premiers livres que j'ai lu en termes d'essai, voilà, il est corné genre littéralement de partout. J'osais pas encore surligner mes livres à l'époque, mais il est trop bien, il est beaucoup trop bien, et si vous cherchez une introduction un petit peu à tout ce monde-là de la sorcière moderne, c'est extrêmement bien comme ouvrage, vraiment. Ensuite, un que je peux vous conseiller, notamment si vous êtes une femme,
Voilà, enfin si vous avez vos des règles, vos cycles, etc. Mais pas que, attention, je ne dis pas que c'est que pour les femmes ou pour les personnes qui ont leurs règles, etc. Je dis juste que c'est très intéressant, d'autant plus dans ces cas-là. C'est Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc et de Vic O. Vers la voix du féminin sauvage de Harmonie Solar. Voilà. Donc il y a des très très belles illustrations déjà. Voilà, ça peut être un petit peu, ça peut paraître loufoque, mais moi je trouve ça hyper fun en fait, j'aime beaucoup et les représentations sont tellement en accord en fait avec, avec tout ce qui est dit dans le livre que genre c'est trop intéressant. En fait ça va parler de l'influence de la lune sur nos corps. Et par exemple au niveau du sommaire, voilà, va y avoir un espèce de calendrier pour toute l'année sur bah voilà, le voyage en fait de la lune au fur et à mesure de l'année. Donc vous avez vraiment tous les mois, voilà. Là ça va de mars à février. Alors je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi elle a commencé par mars, mais en tout cas il doit y avoir une raison qui est expliquée dans le livre. Je l'ai lu il y a longtemps, vous m'excuserez, je me souviens pas de ça. Après il y a tout ce qui est voilà, par rapport au zodiaque, comment se connecter à la lune, etc. Et il y a un gros chapitre du coup sur la femme, où du coup le cycle de la femme, le cycle menstruel notamment, est énormément lié à la lune. Voilà, si j'ai appris énormément de choses avec ce livre, et je sais que j'ai une copine, enfin une de mes amies même à qui je dois le prêter. Et je pense que je le relirai un jour parce que vraiment c'était très 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 intéressant. Ça peut paraître vraiment loufoque, mais vraiment je vous conseille de lire ce livre, c'est très intéressant. Ensuite on va passer vraiment aux graphiques que j'aime énormément dans ma bibliothèque, qui sont magnifiques, sur les sorcières, et notamment ce coffret voilà, de la généalogie d'une sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Donc il y a ce côté et ce côté, voilà, donc il y a deux ouvrages à l'intérieur. Il y a le grimoire de sorcière tout en dorure et tout, waouh c'est tellement beau, et l'histoire de la petite sorcière, voilà. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert il y a quelques temps, et je l'ai lu évidemment, et j'aime énormément. Voilà, on va remettre dans le coffre, dans le coffret. C'est un livre absolument magnifique, j'ai énormément aimé les illustrations comme d'habitude, j'ai énormément aimé tout ce qui était raconté autour, c'était très intéressant. Et vraiment, si vous aimez les jolis livres, si vous aimez bah, les sorcières, ou si vous voulez faire un très joli cadeau à quelqu'un, et ben franchement c'est une super bonne idée. Moi ça me fait extrêmement plaisir quand il me l'a offert. Et voilà, vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire le même cadeau à quelqu'un que vous aimez, parce que ça fait chaud au cœur, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, un registre un tout petit peu plus difficile en termes de lecture, enfin difficile émotionnellement, c'est Les Filles de Salem de Thomas Gilbert chez Dargo. C'est un roman graphique sur les sorcières. Mais genre mince, comment ça s'appelle, le procès des sorcières, voilà, la chasse aux sorcières. Les illustrations sont très belles, très parlantes, très dures. Voilà, c'est pas forcément ce que je lis le plus en termes de, enfin, en termes de graphique. En fait c'était tellement en accord avec l'histoire, vraiment je vous le dis, c'était assez difficile à lire émotionnellement. Moi ça m'a vraiment fait un coup au cœur, mais c'était extrêmement intéressant, et enfin ça me met des frissons d'en parler, genre ouais, j'aime pas, en plus ça me fait des frissons, j'aime pas, ouf, c'est pas très agréable. Ouais, c'était une très belle lecture, très percutante. Voilà, c'est un livre percutant. Je ne sais pas quoi dire. Si vous vous intéressez aux sorcières, il faut absolument que vous lisiez ce roman graphique. C'est très important. Notre vie est en jeu, vraiment. Voilà, c'est obligé. Vous devez lire ce livre. Vous n'avez pas le choix. Je vérifierai si vous avez fait vos devoirs, hein, d'ailleurs. Ensuite,
avec une grande évidence, même si ce n'est pas vraiment un truc de sorcière, mais c'est une BD hyper féministe qui peut être lue par des adultes, des ados et des enfants. Il y a plein de librairies où elle est classée dans les rayons enfants. Sachez-le, donc c'est Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Je suis extrêmement dégoûtée parce que quand je suis allée au Livre Paris, ils étaient en train de dédicacer. Et en fait, je sais pas pourquoi j'étais passée à côté de l'info sur internet. Voilà, après, faut dire que j'avais pas... Enfin, c'était il y a 2 ans ou 3 ans déjà, enfin, je me souviens plus. Mais voilà, j'étais passée à côté de l'info et en fait, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, ils venaient à... 5 minutes près de finir la fin, de fermer la file en fait pour la dédicace. J'ai pas pu les rencontrer mais c'est tellement bien cette BD, bref, je vais vous montrer un peu. Donc ça c'est le premier tome, donc vous inquiétez pas, je ne spoil rien. Voilà, ça c'est une idée des illustrations, donc c'est absolument parfait pour des enfants si jamais vous voulez offrir ça à un enfant. Pas trop petit non plus parce que... voilà, je dirais peut-être 8 ans, à partir de 8 ans peut-être, je ne suis pas maman, donc je conseille comme ça à première vue, j'ai été nounou et je me dis qu'un peu plus petit, c'est peut-être un peu juste en termes d'interprétation pour eux, peut-être qu'ils ont un peu plus de mal à tout voir, mais en tout cas ça peut être très 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 sympathique. De lire ça avec ses enfants, ses ados, c'est une histoire en fait d'un duo, d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui vivent dans un village au cœur des montagnes on va dire, et c'est un village de bergers, sauf que les hommes ayant dû aller à la guerre il y a des années de ça, évidemment, à part certains enfants qui s'avèrent être des garçons, il y a très peu d'hommes, voilà, voilà, c'est seulement les plus âgés et les personnes qui n'ont pas eu le droit, en fait, qui ont été jugées invalides par la société pour aller à la guerre, donc une majorité de femmes, et donc forcément, elles ont créé l'ordre des bergères guerrières. Donc elles sont avec leurs petites montures assez insolites pour nous elles vont défendre en fait leur territoire, leur montagne, et c'est absolument incroyable, c'est en 4 tomes, la saga est terminée, donc c'est pas trop long, c'est mignon, en même temps c'est très parlant, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas incompréhensible, il y a des bonnes valeurs vraiment, et je le classe un peu dans les trucs de sorcière dans le sens où c'est féministe et genre féministe dans, enfin aujourd'hui je sais que c'est un mot qui est un peu diabolisé, écoutez, féministe pour moi c'est juste, voilà, c'est les femmes peuvent s'en sortir, les femmes ne sont pas voilà, là elles décident d'être des guerrières en fait. Parce que les hommes ne le font pas, et dans la tradition c'était eux qui étaient guerriers, sauf que en fait les hommes ne sont plus là, alors pourquoi elles ne pourraient pas se défendre toutes seules? Elles ont besoin de défendre leur territoire, donc elles vont le faire, point à la ligne en fait, c'est tout. Et c'était trop intéressant en fait de voir ça, parce que il n'y a pas le truc de... c'est juste normal en fait, c'est juste normal, elles ont besoin de défendre leur territoire, les personnes qui le faisaient avant elles ne sont plus là, donc en fait elles vont le faire. Et j'ai trouvé ça très naturel, très bien. Il n'y a absolument pas le truc de les hommes sont incapables et tout machin. Au contraire, il y a beaucoup de remises en question dans cette BD tout le long, et j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Des fois ça part un peu trop loin dans le féminisme et j'ai un peu du mal à me dire que on est, voilà, parce qu'on n'a pas envie d'être dépendante des hommes, alors il faut carrément les laisser de côté. Ça, je... bof, non, j'aime pas. Voilà, après ce n'est que mon avis, vous faites bien ce que vous voulez, à mes yeux on est des êtres humains, on est tous égaux, et j'ai trouvé que cette BD était très parlante pour ça. Beaucoup de remises en question parce que les personnages sont des enfants, donc ils ont beaucoup de questions. Voilà. Bref, dernier ouvrage, si je parle français c'est mieux, de cette vidéo, et après je vous laisse, c'est The Midnight Order de Mathieu Babelais et plein d'autres. Si je dis pas de bêtises, attends. Ouais, c'est ça, genre. Attends. Mais du coup, je sais pas si je vais pouvoir vous dire tous les illustrateurs, auteurs.
La série Midnight étant une œuvre collective, fruit maudit des idées et envie de nombreux artistes, je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui ont participé à cette grande aventure. Puisse les grands anciens toujours être favorables aux incantations de... Ouais, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Après, voilà. Ça, c'est toutes les personnes, du coup, qui ont participé au livre. Donc, en fait, c'est un mélange entre des BD. Donc, celle-ci est... Enfin, ce chapitre est écrit par... Enfin, est dessiné par monsieur Mathieu Babelet, n'est-ce pas? Et voilà, en fait, c'est une seule histoire dessinée par plein d'illustrateurs. Voilà, donc là, c'est encore une autre personne. Vous avez... Voilà. Et en fait, à chaque fois, du coup, c'est des points de vue... c'est la même histoire, mais des points de vue, en fait, d'écriture très différents et de dessins très différents. Enfin, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Là, ça fait un peu plus manga. Et, enfin, c'est juste incroyable, ce livre, mais c'est une pépite, quoi. Et je sais pas si il n'y a pas des écrits aussi. Ouais, il me semblait bien. Voilà, il y a des petites pages écrites aussi. Voilà, donc c'est... J'ai adoré ce livre, j'ai adoré, je sais que c'est un livre que je vais relire avec énormément de plaisir. Voilà, c'était ma petite grosse sélection, je sais pas comment dire ça, de livres du coup sur les sorcières. J'espère que toute l'entièreté de la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été un peu longue, mais je suis désolée, en fait c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. En tout cas voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander des vidéos sur d'autres thèmes, voilà, si ça vous intéresse. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, voilà, quelque chose qui puisse m'aider un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, ça pourrait m'aider. Malheureusement la chaîne est tombée en disgrâce de l'algorithme, parce que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant très très longtemps. Je les ai mises en privé, donc c'est pour ça que vous ne les voyez plus. Mais voilà, si jamais vous arrivez jusqu'ici et que vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à lui donner un tout petit peu de force, car ça aiderait pour la faire connaître un tout petit peu et qu'elle revienne dans l'algorithme, ce qui n'est vraiment pas facile. Ça fait un an que je me bats et ben c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué, donc si vous voulez lui donner un tout petit peu de force à ma chaîne et à ce que je fais, voilà, ça serait... Un petit quart de moi à vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et plein de bisous.